Bonjour, je suis ravie de vous retrouver ce lundi matin pour vous montrer de nouvelles petites choses, dont ces jolies couleurs de cardstock qui viennent d'arriver en boutique. Donc je vous les montre, ils sont texturés. Donc vous avez un vert, un marron, un turquoise, une couleur un petit peu violine. Et un bleu qui est ni bleu ciel, ni bleu marine, ni bleu royal. Alors c'est un bleu qui peut aller par exemple avec ces papiers de chez Stamperia. Vous pouvez aussi les utiliser avec les nouveaux papiers sur la musique. Alors ces papiers-ci, vous avez aussi le lot de tous les bleus. Qui correspondra mieux puisque vous avez un peu de turquoise clair comme ici sur le bas de la photo et des bleus. Donc ça c'est pour tous les cardstocks qui sont dans les bleus. Ensuite, je vous ai trouvé une nouvelle couleur d'encre, la 077, qui est un bleu brume de, je ne sais pas, Aspen. Je ne connais pas la traduction en anglais. En tout cas, c'est un bleu très pâle. Donc ça change des bleus turquoise. Par exemple, vous avez ce turquoise qui peut aller avec les papiers plutôt dans les verts et turquoise. Voilà, je vous les montre pour que vous puissiez les coordonner. Vous pouvez aussi coordonner ce bloc de papier de fond de chez Minté. Là, vous avez des teintes, regardez, que vous pouvez associer avec tous les fonds, des bleus aussi. Comme ceci, là il y a toutes les couleurs, donc vous pouvez utiliser ces roses avec ça également. Quoi d'autre? Quoi d'autre? En fait, il y a plein de teintes bien sympas. Donc voilà, c'est très joli à utiliser en fond ou en support de carte. Alors après, vous pouvez aussi utiliser cette teinte-là. Ainsi que les cardstocks qui sont dans les violets et mauves. Donc toutes ces couleurs-là, vous pouvez les coordonner avec le bloc de chez Minté qui est en solde en ce moment dans la boutique avec les die-cuts. La collection Nightfall. Donc vous voyez, on est dans le prune, le violine. Ça va très bien avec toutes les teintes. Là, vous pouvez les assortir. Voilà pour ce petit assortiment. Ensuite, au niveau des cardstocks, j'ai rentré en nouveauté des tons de vert. Donc, ces packs de tons avec tous ces verts. Voilà. Donc là, si vous êtes dans les feuillages cactus, exotiques, Amazonie et tout ça, avec les dyes d'ailleurs de chez Lowfaune, vous pouvez les utiliser avec pour faire des jolis embellissements au fond d'album. Au niveau des papiers aquarelles. J'ai ce format en A5. Alors là, on a 10 feuilles de chez Stamperia. C'est un papier aquarelle avec une belle tenue, 350 grammes. Il est un peu pas blanc de blanc. Il est un petit peu couleur nature et légèrement texturé. Alors, c'est pas un gros grain, hein, c'est quand même lisse. Ça reste quand même lisse, mais avec quand même un côté texturé. Alors, je vous le montre parce que j'ai reçu deux nouvelles pages pour l'aquarelle aussi, mais qui là, en 200 grammes, sont en blanc très blanc. Donc là, vous avez 36 feuilles pour faire vos tamponnages. Je vous montre, il est extrêmement lisse. Alors, c'est un papier que vous pouvez utiliser, vous voyez, pour la peinture, la gouache, les aquarelles, les encres, les marqueurs. Donc, c'est vraiment pour toute technique. Vous voyez, vous pouvez utiliser les marqueurs aussi fins comme ça, les marqueurs à alcool, à eau. Voilà, vraiment pour tous vos petits embellissements tamponnés, aquarellés. Voilà, c'est nickel. Vous avez ces pages-ci, là je trouve que c'est un super bon produit. Alors, on commence l'été, mais on prépare aussi l'hiver. Donc, l'effet neige en tube fin
est revenu en boutique. Alors, la marque Nelly Snellen. On se retrouve cet après-midi pour notre live et continuer la deuxième partie de notre album Next Trip de chez Minté. Donc, la suite cet après-midi. Voilà, voilou, ça ce sera en live à partir de 14h sur la chaîne YouTube. Voilà pour celles qui voudront venir me faire un petit coucou, se joindre à moi. En attendant, pour les autres, je vous souhaite un très bon lundi et une très bonne semaine. À très bientôt, n'oubliez pas de regarder les vidéos, abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est gratuit. Je vous montrerai des nouveautés qui arrivent cet après-midi aussi. Vous allez craquer pour cette nouvelle marque polonaise. Je vous dis à très bientôt.